Tu sais imiter? Non. Attends, on va faire un jeu. J'imite un mec, tu me dis qui c'est. Ok. Bonjour, je m'appelle Jérémy Schneider, je suis flic. Ali Badou. Ah non. Merde. Ouais. Ouais. Oh, comment ça va? Mais ça va super. Ouais. Luan, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, ça va super. Ça fait 5 ans que je t'ai pas vu. 5 ans? Ouais. T'imagines? Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Bah j'ai sorti des musiques. Ouais. Des musiques. J'ai sorti un enfant. J'ai sorti. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette news? Merci beaucoup! Alors, nous, on veut tout savoir du coup, parce que je croyais savoir des choses. Et en fait, en préparant cette émission, j'ai compris d'autres choses. Oh! Du coup, ça commence comment la musique pour toi? Le vrai moment où j'ai commencé à faire de la musique, c'est quand j'ai fait mon premier concours de chant. Et ouais. T'avais quel âge? J'avais 8 ans. 8 ans? Ouais. Il y avait du monde? Il y avait beaucoup de t'as monde. T'as un souvenir de ça? J'avais chanté une chanson qui s'appelle La fille de Shannon. C'était une version minuscule de moi qui était sur scène et c'était vraiment cool. Il y avait du monde? Plein de gens et j'ai fini 5e et c'était la fin du monde pour moi. Ah, t'étais pas contente? Bah non, quand t'es un enfant, t'as envie de gagner, c'est tout. Ouais, bon. Vous étiez combien en lice? Genre, je sais pas, on devait être une trentaine, donc en vrai, c'était bien, tu vois. C'était bien. Il y a des traces de ça? Il y a des traces de ça, ouais. Moi, j'ai une trace de ça, et peut-être je vous la prêterai. Et si on retournait des années en arrière, allons-y. Et qu'on refaisait une version de ce titre aujourd'hui? Allons-y. France c'est Gall, parti. La fille de Shannon, au bout d'un monde où rien ne pardonne aux amours déçus, et il pleut sur les herbes d'Irlande, et il pleut sur le gazon d'Irlande, et elle chante à ceux qui lui sourient. Te moque pas d'une fille qui aime, te moque pas d'une fille qui dort. Je pense qu'on peut tous l'applaudir. Merci. Elle est incroyable cette chanson. Tu sais que moi je connaissais pas du tout cette chanson. On est une population assez infime à connaître cette chanson. C'est pas un gros classique de France Gall? Non, c'est pas. Enfin, alors si, techniquement c'est un classique parce qu'en vrai tout ce qu'elle a fait sont des classiques. Enfin, de mon point de vue. Mais c'est sûr que c'est pas un des gros tubes. Mais souvent, moi j'aime bien les chansons de France Gall que personne connaît. Et ce texte-là? Tu trouves pas qu'il a une résonance incroyable aujourd'hui? Ce qui est fou, c'est à quel point genre, ça peut coller à qui je suis aujourd'hui, alors que
quand j'ai découvert cette chanson, j'ai 8 ans, quoi. Je comprends rien à ce que je chante. Et tu te rappelles à l'époque pourquoi t'avais choisi de faire cette chanson ? C'est ma nounou qui m'a fait chanter cette chanson. Et en fait, c'est ma nounou qui m'a fait faire de la musique. Et du coup, j'espère qu'elle verra ça et qu'elle sera contente parce que c'est... Enfin, c'était vraiment notre... C'est vraiment notre histoire. D'accord. Donc... On peut la féliciter, hein. Elle a fait du bon boulot. Elle m'a à moitié élevée, donc grâce à elle, j'en suis là, si. C'est sûr. Comment tu passes de faire ces choses-là à te dire, je veux faire de ma vie entièrement dédiée à la musique? C'est assez instantané, je crois. Je sors de scène le jour de ce concours de chant et ouais, je sais que c'est ça que je veux faire. Après, bon, je n'en parle pas trop parce que de toute façon, dans ma famille, on n'est juste pas ouvert sur les métiers des arts. En revanche, je me mets à prendre des cours de chant, tout ça, tout ça. Et ensuite, j'ai fait The Voice et là, ils ont dit, bon, bah ok. Ouais. Voilà. En même temps, ça a été un parcours incroyable. À partir de là, ouais. t'as rayonné comme peu d'artistes ont rayonné. Bah, merci. Et moi, ce que je me demande dans tout ça, c'est est-ce qu'il y a un morceau qui change tout ? Il y a des morceaux comme ça qui me collent à la peau et qui restent ancrés de mon enfance toute ma vie. Voilà, La fille de Shannon, il y en a deux, trois autres, Les moulins de mon cœur de Michel Legrand. C'est des chansons qui m'amènent vers ce titre qui change ma vie, qui est Un homme heureux de William Scheller. Et c'est voilà, toujours avec ma nounou et mon prof de chant de l'époque qui s'appelle Eric Huns. C'est des chansons qui ont vraiment genre, marqué mon enfance et mon évolution musicale. Et c'est cette chanson-là que j'ai choisi d'interpréter sur The Voice. Et là, c'est là que la France te découvre, en fait. Bah là, ça change ma vie. Je le sais pas encore. Et quelques mois avant que ma vie change, ce jour-là, tout change sans que je le sache. Ça, c'est incroyable. Ah ouais, c'est... C'est incroyable. C'est ce qui fait que je fais La Famille Bélier. C'est ce qui fait que je signe avec mon label. C'est ce qui fait que c'est ce jour-là. Particulièrement ce jour-là, je pense que le reste de mon parcours dans The Voice, les trois quarts des gens, ils s'en foutent complètement. Même les gens avec lesquels je travaille. Mais ce jour-là, le jour des auditions à l'aveugle, c'est un moment vraiment charnière dans ma vie où je sais pas trop comment, mais je touche des gens et c'est comme ça que ça commence. Donc ouais, c'est un morceau qui est ultra important. Tu l'as chanté plein de fois depuis ? Ouais, je l'ai chanté quelques fois, ouais. Mais j'aime bien le chanter. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse une version de la Louane d'aujourd'hui ? Une nouvelle version. Une nouvelle version. Allez. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont compté sans vie. Un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Ça ne vaut pas la peine que j'y revienne. Faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Waouh. Yes. Je crois que c'est une version complètement inédite. Ouais, c'est une version très très inédite puisque c'est une version que vous avez fait. Bravo. Ouais. Vous êtes très fort. C'est vrai, c'est mais c'est t'as vrai. Jamais entendu William Scheller comme ça. Non, c'est clair. Mais franchement, c'est cool, hein. Ça le fait. Moi, je suis ultra chaud. Je trouve Écoute. Que c'est vraiment méga lourd. Écoute, ça fait voilà. hyper plaisir de, en tout cas, faire ça avec toi. Je pense que rares sont les artistes qui auraient accepté de faire du William Scheller sur de la trappe. Ouais, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi façon, pas toi, pourquoi se fermer comme ça? D'ailleurs, il y a un truc que j'adore. Un peu à l'image de Christophe, qui a toujours mis des jeunes en avant. Toi, t'as toujours mis des gens en avant. T'as toujours été ultra... Pourquoi? Parce que je suis jeune, ça? Mais oui, mais même quand t'avais 17 ans, tu prenais des premières parties de gens qui étaient moins connus que toi et tu les mettais en avant. Tu vois, par exemple, Pomme. Ouais, exactement. Tu l'as fait jouer à plein de tes premières parties. Ouais, elle a fait... Et ça l'a vachement construit. Elle a fait genre... je pense qu'elle a dû faire un tiers de ma première tournée. C'est comme ça qu'on est devenus potes. Ouais. On est dans un milieu où on a tendance à genre pas assez s'ouvrir et c'est ultra dommage parce que plus on s'ouvre,
plus on est nourri des gens, et je trouve ça trop trop cool. C'est ça qui est le plus important, pas la position, pas le succès, pas le... C'est... Réduire les gens à ça, c'est trop dommage. Ouais, je suis d'accord. C'est trop dommage. Et d'ailleurs, cette, parce que c'est une sorte de sororité quand même que tu as avec, avec toutes ces femmes qui aujourd'hui font de la musique. La grosse diff, je pense, par rapport aux générations précédentes, je suis obligée de le dire comme ça en vrai, c'est qu'on n'est pas les unes contre les autres, quoi. Et c'est trop agréable. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que comme tu disais, en fait, c'est souvent des personnes qui ont ton âge. Ouais. Mais toi, en fait, tu as, t'es rentrée dans l'industrie de la musique tellement jeune, ouais, qu'en fait, toi, t'es, effectivement, t'as côtoyé une autre génération d'artistes en général. Et... C'est vrai que enfin, moi, je me rends compte de ça par rapport aux artistes qui ont ton âge. Et ça, je l'avais déjà remarqué il y a 5 ans quand on avait fait de la musique ensemble. C'est l'ouverture, en fait. Pour le coup, ça, c'est complètement sociétal. C'est quelque chose qui n'est pas propre à la musique. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est propre à ce qui se passe en ce moment dans le monde, à l'ouverture qu'on essaye d'avoir. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est de mieux en mieux? Oui, c'est de mieux en mieux. On va dans le bon sens à ce niveau-là. On va complètement dans le bon sens. Alors justement, qu'est-ce que tu écoutes en boucle? S'il y avait un morceau que tu écoutais en boucle? Un morceau que j'écoute vraiment, vraiment en boucle, c'est une chanson qui s'appelle « À moitié loup » d'un rappeur qui s'appelle Sean. Alors, tu sais que pour la petite histoire, le premier concert que Sean a fait de sa vie, et c'est un hasard total. C'était avec toi. Moi, je le voyais comme une star. Je me disais, ce mec-là, il est incroyable. Et pourtant, il était assez timide et c'était sa première scène. Mais il est assez impressionnant. Je comprends pas pourquoi les gens s'intéressent pas plus à lui. Déjà, il est très original. La façon dont il écrit, elle est vraiment, vraiment particulière. Et en plus de ça, vraiment... Il a tout dans la tête, quoi. Son image, elle est incroyable. Je suis d'accord. Enfin, chacun de ses clips, t'as l'impression que c'est un film. Ouais. C'est un film. Genre, que ce soit Moitié Loup, ou que ce soit Mercutio, ou que ce soit les choses plus récentes qu'il a sorties, tu rentres dans une histoire. T'es dans une histoire. Et en plus, c'est trop, trop beau. Et c'est incroyable de voir que bah, t'as pas forcément besoin d'être dans un endroit avec plein de thunes pour faire des trucs incroyables, parce que, bah, honnêtement, c'est pas un artiste qui a ultra, ultra pété pour l'instant, et c'est trop quali ce qu'il fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va essayer de faire découvrir ce qu'est Sean en faisant, bah du coup, À moitié loup. Nickel. Ennemi, ça en fait de l'or, valise près de l'eau, honey mate, t'as un joli name, genre Apollinaire, venime, coup de fil anonyme, sûr que ma folie mange, monument, vole un monument, être un monument. Mélina, tu sais que je veux y voir, tu es un mini-moi, animaux, on est des animaux, on est des animaux. Hey, baby. J'suis une star maman, amen. Me serre pas la main, on n'est pas amis. Ici, on se serre les couilles, on se serre les couilles. Down, sentiment down. Upside down, sentiment down. À moitié loup. Regarde ma photo, je saurais plus, je vais le tuer. Ennemi, cessez-moi le diable, laissez-moi le jack. R&B, du sang sur la plage, du sable sur la page. AP, Lynn, j'suis près de l'eau. Sentiment down, à moitié loup. À moitié loup. À moitié loup. À moitié loup. Hello.
chanté par toi en plus. Moi, je trouve ça formidable. Ouais, voilà. Merci beaucoup. À chaque projet, j'ai l'impression que c'est... tu prends ce qu'il y a de mieux. Merci. Tu arrives à en faire quelque chose qui est... je vais pas dire populaire forcément, mais tu arrives à populariser le truc le plus cool de l'instant. Écoute, merci, c'est gentil. Ça me touche beaucoup. En fait, je crois que je me mets pas de barrière. C'est ça la vérité, c'est que ouais, j'ai tendance à écouter des choses plutôt quali, plutôt indé que les gens écouteraient pas forcément. Et à la fois je fais de la pop et j'aime ça la pop, donc j'essaye de marier les deux. Et c'est ça mon ADN en vrai. Tu vois, voilà. Je pense qu'en fait, s'il y avait quelqu'un qui aurait exactement le même discours, s'il était devant moi, ça serait The Weeknd. Tu crois? Je pense, ben ouais, il écoute de tout. Et il se met aucune barrière. Et finalement, personne ne le critique. Bah alors j'espère qu'on va pas me critiquer. Mais t'es incritiquable. Et ça, c'est ce que tu crois. Je le crois tellement qu'à partir de maintenant, on t'offre la carte blanche de l'émission. On fait ce que ouais. Tu veux. On n'a qu'à faire une de mes chansons. Ça s'appelle « Donne-moi ton cœur ». Écrite par Damso, non? Exactement, écrite par Damso. Un des rappeurs préférés de Cicole. C'est vrai. Cœur Damso. Cœur Damso. C'est des cœurs. Ah ouais. Ah ouais, c'est des cœurs avec les doigts, les gars. Oui. Ok, cœur d'Amso. Il va être content, tiens. Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste, où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, tes cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être moi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Oh, dis-moi qui tu es. Qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Hey, dis-moi qui tu es, qui tu es. Merci à toi. Merci. Je pense qu'on peut tous l'applaudir ici. Merci. Invité d'exception. Merci, c'est gentil. Pour une fin d'exception, parce que tu sais que dans cette émission, on termine toujours les émissions en danse. Yeah. Oh, posez là. Je commençais à me dire que t'allais jamais venir. Waouh, il était carrément attendu, quoi, en fait. Mais oui. Est-ce que t'es contente de le rencontrer? Très contente, enchantée. Est-ce que t'as un petit pas de danse à nous apprendre? Vraiment pas, je sais pas danser. Mais je peux faire ça, tu vois. Je suis sûr que t'as un petit truc à toi. Ton petit truc à toi. Regarde, mais en vrai, ça passe, non? Ok, vas-y, on va le faire. Donc, tu veux qu'on le fasse assis et qu'on fasse comme ça? Non, regarde, on peut le faire debout. Ok, donc quand t'es en soirée, c'est ce que tu fais? Je vais pas en soirée. Et si on se disait qu'on était en soirée ici? Ouais. C'était notre soirée à nous. En plus, on boit du fanzine. Wow, avec la bouteille en plus. On est en soirée, tu m'as dit. Ah ouais.
j'ai l'impression qu'à un moment donné, on passe quand même pour des gens mal à l'aise. Mais écoute, c'est comme ça que je l'ai présenté, hein. Le pas du malaise. Ça marche, hein. C'est le pas du malaise. Ça fonctionne. Le pas du malaise. Merci. Ouais. Et voilà. Ouais.